Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière pro, toujours avec le FC Lorient. Je vous rappelle que le coach voulait nous faire, nous envoyer en prêt tout simplement. On a décidé de refuser et de persister avec cette équipe de Lorient et de réussir, enfin de tenter d'avoir une place de titulaire. Je pense qu'on a les moyens et du coup, on va tout de suite s'entraîner et ensuite on partira pour... Attendez, attendez, attendez. Avant de s'entraîner, je vais juste aller voir vite fait le calendrier pour voir ce qui nous attend dans la vidéo. Premier match direct, enfin premier match de la vidéo face à l'Olympique de Marseille. Ensuite, ça va être la trêve, donc ça on s'en fiche, on va pas être appelé forcément par Didier Deschamps. Ensuite, il va y avoir un match face à Nancy, le LOSC. En troisième match, et peut-être que nous jouerons face à Guingamp en quatrième match, donc on verra bien. Pour l'instant, on se concentre sur les entraînements, donc on est parti. On va mettre comme d'habitude conservation de balle, tir précis, Toro, transmission. Je vous ai écouté pour ce coup-là. Pour ce coup-là, je vous ai écouté. On met transmission et coup franc avancé. C'est parti. Nickel. Pourquoi t'accélères comme ça? Oh là là, je m'en sors très très bien sur ce coup-là. Parce que là, c'était chaud. Ouais, voilà. Allez, allez, allez. Magnifique la frappe. Du coup, un petit A pour le premier atelier. On commence bien. On commence tranquillement, les escrocs. On enchaîne avec tir précis, en espérant avoir le petit A. Allez, on va frapper uniquement en plat du pied. On va arrêter de les grosses frappes. Même pied gauche, plat du pied. Dernière chance pour avoir un petit A, les escrocs. Après, c'est terminé. Donc déjà, on commence bien. On ne cadre pas la première frappe. Allez! Mais il cadre pas, même en plat du pied. Franchement, on a du travail. On a du travail devant le but parce que franchement, même les plats du pied, j'arrive à pas cadrer. Regardez ça! Bon, les entraînements se sont plutôt bien passés, même si je me suis foiré sur deux ateliers. Du coup, on avance. Enyama demande à être transféré. Vincent Enyama a transmis sa demande de transfert dans un dernier barreau d'honneur pour tenter de forcer son départ avant la clôture de la période des transferts. Offre de prêt pour vous. Ça ne m'intéresse pas. Comment il faut le dire? Je ne veux pas être prêté. Je veux continuer mon aventure avec le FC Lorient. Je veux... Attends, je suis titulaire. En plus, je suis titulaire. Donc pourquoi partir? Joueur appelé en sélection, Moriké Fofana, Côte d'Ivoire. Ok. Offre de prêt pour vous. Ça m'intéresse pas. Je veux même pas savoir de qui vient l'offre. Je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. On est parti pour ce match de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. Ça va pas être facile, sachant qu'on joue à l'extérieur en plus de ça. C'est parti pour ce match. Toujours Moukandjo en pointe, Philippe Auto à droite, Barthélemy à gauche. Ok, Cafo la récupération. Et moi je suis MC. J'aimerais bien être MOC, mais bon, c'est pas grave. Campagna qui commence, ok. Nouveau gardien de l'Olympique de Marseille, acheté pour 6 millions d'euros. La Sanadiara qui est toujours là. On va bien voir ce que ça donne. C'est parti. Hop là, petite roulette sur Gomis direct. On cherche pas à comprendre. Non, je rigole, j'ai rien fait. Je suis passé. Il y avait une petite faute, non? Oui, l'interception. Non, j'ai voulu faire le stop and turn, mais j'ai oublié, j'ai pas 4 étoiles. Je n'ai pas 4 étoiles de geste technique. Du coup, ça m'a fait un vieux râteau dégueulasse. Allez, Flo. Allez, même si c'est pied gauche, on sent. Voilà. Rappelez-moi de plus jamais centrer pied gauche. Belle idée, ouais, belle idée, super. Belle idée de merde. Oh la montée. Oh la petite montée. Oh la petite montée. Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite. Allez, allez, allez. La parade du gardien. La passe était bonne. J'ai failli faire une petite passe D sur ce coup-là. Non, mais moi je vais dans le tas direct. Allez, balance dans le tas. Ok, d'accord. Je tacle! Mais vas-y, si j'ai taclé, c'est pas pour. Voilà! Ouais, j'écarte là-haut. Voilà. Si j'ai taclé, c'est pas pour la perte derrière. Non, 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 non. Oh là là, et vas-y, mais l'autre, il m'envoie une mine dans les jambes. Bien joué, gardien! Non, 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 non. Cabella qui marque 1-0, but à la 28e minute de jeu. Le gardien a fait un bel arrêt, franchement, sur la frappe de Gomis, mais derrière,
Il y a Cabella qui a bien suivi et qui met sa petite tête. Du coup, on se retrouve mené 1-0. Il va falloir vite réagir. Et je provoque encore une faute, mais il sort pas de carton. Il ne sort pas de carton, je provoque. C'est la troisième ou quatrième faute. Allez, tu t'appliques là, c'est dedans. C'est parti. Oh, c'est pas cadré, c'est pas cadré. Je vais essayer d'aller déborder. Ça passe, ça passe. Allez Flo. Oh, je ne tape pas. Et il siffle corner. Il y a corner. Il siffle la mi-temps là-dessus. C'est honteux ça. Oulas. Ouais, ouais, mais ça manque de puissance. J'ai fait un petit enchaînement. J'ai éliminé la Sanadiara. Mais derrière, frappe pied gauche. C'est un petit peu trop compliqué. Oh, carton là-dessus. C'est carton. Mais Gomis, on peut pas l'arrêter, Gomis ou quoi? Ah ouais, merci les gars, je suis là au cas où. J'ai en triangle. Voilà, j'ai en triangle. Allez, ça mérite. J'ai. Je suis tu, je le lâche pas. Là, tu m'as vu. Allez, Flo, ça pique sur le centre. On s'est entraîné. Y a personne. Non, j'allais sortir. J'ai pas pris le risque parce que je sentais tout de suite venir le petit contrôle dégueulasse. Je la touche, je rate mon contrôle et derrière, ça fait un 6 mètres. Donc là, allez, dans le paquet là. Allez. Allez. Oh là 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 là, c'est quoi ce centre? Allez, on a de la chance, on a notre corner. Fin du match, défaite face à l'Olympique de Marseille, 1-0. On a fait un match assez correct, je pense. On a fait une passe clé qui aurait pu se convertir par une passe décisive, mais bon. On a eu une grosse occasion en fin de match aussi d'égaliser. Mais le gardien, franchement, le petit Campagna là, ici, le Martin Campagna, il est vraiment pas mauvais. Alors je sais pas où ils ont été le chercher. Mais en tout cas, il a fait un très très bon match. Il a sauvé Marseille en fin de match. Et du coup, on repart de Marseille avec une défaite. Donc, défaite 1-0. J'ai pas regardé le classement, mais à mon avis, on doit pas être au top au niveau du classement. J'espère qu'on va sortir. Qu'on va commencer à se réveiller. J'espère qu'on va commencer à se réveiller en championnat et qu'on va aller chercher quelques victoires. On va continuer tranquillement. Ça va être la fin du mercato, équipe de la semaine. Ouh, j'étais nommé dans l'équipe de la semaine, ça c'est cool. Mon pro, rappel d'offre de prêt, ça m'intéresse pas. Comment il faut vous le dire? Rejeter. Hop, on supprime. Du coup, oui, c'est ça que je voulais voir. Au niveau de l'équipe de la semaine, à la une. Tac, 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 il est où? Flonox proposé en prêt. Ok, Ligue 1 Olympique de Marseille, j'ouvre. Merde, c'est où les... Voilà, l'équipe de la semaine a été publiée. Alors du coup, Benjamin Leroy, Jérôme Roussillon, André Radji, pardon. Glick, bah du coup, ça va être deux défenseurs de l'AS Monaco. Korchier en défense, Koulibaly, Balmont, Flonox, Amouma, Bifouma et Falcao en pointe. Donc je suis content puisque c'est... Voilà, c'est pas un trophée, mais voilà. Première semaine de Ligue 1 et on est déjà nommé dans l'équipe de la semaine, donc c'est cool. On va tranquillement avancer pour cette période de transfert, on s'en fiche un petit peu. Et ensuite, on se retrouve pour le prochain match. Il me semble que c'est face à Nancy, de mémoire. On va faire un petit point. Du coup, le FC Metz, le FC Nantes qui a vendu Rio, leur gardien, 8 500 000. Diego Rolan, ils ont vendu Rolan, les Girondins de Bordeaux, 22 millions avec Touré, ok. Le LOSC qui a juste acheté un joueur, ok. Montpellier, pareil. Marseille, arrivée de Pereira et Campagna, leur gardien, qui est très très bon puisqu'on vient de jouer contre eux. Le FC Nice, ils n'ont pas besoin de joueurs, ils n'ont rien vendu, rien acheté. Olympique Lyonnais, ils se sont renforcés avec Monténégro, ouais, je ne les connais pas du tout ces joueurs-là. Bastia, ok. Ok, pas de départ pour Caen non plus. Rennes, pas de mouvement. Toulouse, ils ont osé vendre Tongo Doumbia et Braithwaite. Grave erreur. Grave erreur pour Toulouse, en tout cas, je pense. Du coup, Monaco, arrivé de 3 joueurs pour 11 600 000. Non, 6, Saint-Etienne, ça bouge pas. Ah, si, ils ont vendu Pogba 8 millions quand même. Leur défenseur, ok. Bon, le reste, on a fait le tour. La date limite des transferts a expiré. Ok. Blessé à l'entraînement. Qui s'est blessé? Bon, on s'en fiche. Date limite des transferts. Ok. Du coup, maintenant, comme je disais, on est parti pour... Attendez, jour restant. Arrête-toi. J'ai eu très très chaud. J'ai eu très très chaud pour ces entraînements-là. Une semaine sur deux, comme en Care Manager, je simulerai. Donc là, j'ai fait les entraînements la semaine dernière. Donc là, maintenant, on va les simuler. Et les prochains
je les jouerai. Bah, vaut mieux les jouer, hein, parce que vu les notes que je me tape, putain. D, C, D, C, F. C'est moisi. On peut, on peut se le dire, c'est complètement moisi. Mais bon, Flonox proposé en prêt. On s'en fiche. Du coup, on avance. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait... il y avait les matchs internationaux. Du coup, on va faire les entraînements cette fois-ci. Donc, on est parti pour les entraînements. Et ensuite, on enchaînera avec notre petit match face à Nancy. Bon, bon, bon. On va recommencer parce que là, on a eu un B. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Hop, le petit râteau. Nous avons plus qu'une seule chance pour avoir un petit A. Ça fait deux fois que j'ai un B. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Non, 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 non. 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 C'est parti en couille. C'est parti en couille. Non, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Vite, 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 vite. Oui, allez, 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 vite, 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 vite. Non, lève-toi. Mais lève. Voilà, au moment où je dois gagner du temps. Voilà, voilà. Mais dégage-toi. Toi, c'est pareil. Allez, on met un vieux plat du pied. Le petit A, le petit A, le petit A, le petit A. On a eu chaud. On est très chaud. Franchement, c'était assez facile. On a eu un petit A, du coup, on va pouvoir enchaîner. C'est le gros escroc, en fait, pas du tout. J'ai complètement galéré. On a mis les 3 essais pour avoir le petit A. Donc, on enchaîne maintenant avec tir précis. Bon, les entraînements sont très bien passés. On a eu un petit B. On a eu un petit B, mais bon, c'est pas trop grave. C'était en coup franc, forcément. Franchement, les coups francs, je galère, mais vraiment. Du coup, on est encore une fois titulaire, donc c'est cool. Clairement, je comprends pas pourquoi le coach veut nous prêter s'il nous met titulaire à chaque match. Donc, bon, tant mieux pour nous, on profite. On va jouer à domicile et cette fois-ci, attendez, attendez, attendez. On va aller regarder vite fait le classement parce que je pense qu'au classement, on n'est pas top. Vraiment pas au top, va falloir vite se réveiller au niveau du classement. Et voilà, on est 13ème de Ligue 1. Marseille qui vient de gagner 1-0 face à l'OGC Nice. Regardez le classement, si se trouve, Marseille, ils sont pas mal. Hein. Lyon, leader, l'Olympique Lyonnais, 2ème, Monaco, 3ème, Lyon, pardon, le LOSC, 4ème, Bastia, 5ème. Marseille 6ème, le Paris Saint-Germain 8ème. Ah oui, mais ils ont un match de retard. Ils ont un match de retard, donc Paris peut remonter à la 2ème place suivant le goal à virage. Ok. Du coup, nous, on va se concentrer sur notre match face à Nancy. Désolé les supporters de Nancy, mais là, on doit vraiment vous exploser. Il nous faut les 3 points, il faut se réveiller, il faut relancer la saison. Moi, je suis en très bonne forme, mes coéquipiers aussi, visiblement, donc c'est parti. J'espère que Nkandjo, il va planter. Hein. Oh, on a acheté un milieu de terrain Ortigoza pour 3 500 000. On va voir ce qu'il donne. J'espère qu'il va venir faire de bons matchs avec nous. Oh là, on va écarter là-haut. On va écarter là-haut. J'ai fait la demande dans les paramètres. En bas, en bas, en bas, décale. Pourquoi il me l'a pas décalé? Bon, après, c'est un buteur, c'est compréhensible. Je t'en veux pas, Mukanjo. Mais je sais pas si vous avez remarqué des escrocs. Mais j'ai été dans les paramètres pour mettre tout simplement le nom du joueur au-dessus, comme ça on sait qui a la balle. Et j'ai vu ça dans les précédents commentaires de ma vidéo, donc je vous remercie pour m'avoir fait penser à ça. Ouais, franchement, je n'y aurais pas pensé. Donc voilà, merci à vous les escrocs. Oh là 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 là, comment tu t'en sors toi? Je suis là, oh, je suis là, je suis là, je suis là, arrête de paniquer. Je la demande pas les gars maintenant, je préfère laisser le joueur me faire la passe automatiquement. Bon, forcément, si je suis bien placé, je la demande directement. Mais franchement, maintenant, je demande plus trop la balle. Je laisse le jeu se faire. Et s'il doit me faire la passe comme là, je suis bien placé, et ben, il me l'a fait. Allez, en retrait. Oh, dommage. Oui, oui, oui. Oh, la faute. Oh, la faute. Oh, la grosse faute. Ça mérite un carton, ça. Voilà, je suis sur la trajectoire. J'avais anticipé ça. Oh là là. Oh là là. Lâche ta balle, Flo. J'ai fait la passe pourtant, tacle debout, mais je voulais pas faire un tacle là. Je fais beaucoup d'efforts défensivement là. Voilà, je récupère encore une balle, ça fait plaisir ça. Ça paye. Je suis là au cas où. Vas-y, remets. Remets, remets, remets. Ouais, c'est trop tard, c'est trop tard. Oh les gars, Mukanjo. J'ai pris la balle. Ah, j'ai pris le bonhomme. J'ai pris le bonhomme avec. Petite biscotte, forcément, forcément. Après, je voulais pas faire faute après. C'est vrai que j'ai pris quand même les jambes. J'ai touché le ballon, mais j'ai pris le bonhomme. Donc, le carton jaune est mérité. Ouf, oh, bien joué. J'avais vu la petite passe pour Cafu, mais pff, il n'a pas réussi à cadrer avec le pied gauche. C'est dommage. Oh, Mukanjo. Oh, le travail. La passe est... Mmh, dommage.
J'ai fait une passe franchement, j'ai appuyé un tout petit coup, mais j'ai mal dosé ma passe quoi. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Ah, il faut monter là-haut là. Oh, bien joué Flo. Remets. Pourquoi tu me la remets pas là? Vers le bas, il me remet une petite passe et franchement je pars au but là. C'est dommage. C'est dommage parce que là regardez, je fais la petite passe extérieure du pied, il me la reglisse à gauche et là je pars tout seul. Oh putain, j'ai mis un coup dans ma télé. Je repars tout seul à gauche quoi. Mais bon, je vais rester à l'extérieur de la surface, on sait jamais. Si c'est dégagé. Oui, oui. Allez, allez, allez. Le gardien qui ne se sent toujours pas accueilli en face. Les gars, les occasions. Allez, tu passes. Remets. Non, je la demande trop tôt. L'idée était là, je l'ai demandé trop tôt. Là, franchement, c'est de ma faute. C'est de ma faute, je suis dégoûté. C'était la dernière occasion. Franchement, on a eu clairement les occasions. Donc, je suis dégoûté parce que. Il y avait la place. Il y avait la place de repartir avec les 3 points, mais on n'arrive pas à marquer. C'est impressionnant, on a du mal. Hein. On a du mal. Après, dans le jeu, je trouve qu'on n'est pas dégueu. Ça va, on arrive à produire du jeu, à faire quelques petites passes clés. J'ai une note encore une fois au-dessus de 7, donc je pense que c'est un match correct. Mais au-delà de ça, on n'est pas étincelant. On n'est pas étincelant. Donc bon, après, on a qu'un joueur avec 73 de général, donc c'est pas fou non plus. Mais on va pas se cacher derrière ça. Il va falloir se réveiller et peut-être débloquer notre compteur. Parce qu'il me semble qu'en Ligue 1, on n'a pas marqué ni fait de passe décisive encore. Donc il va falloir se réveiller. Du coup, on a un match face à Lille qui arrive. On a les entraînements ici que je vais simuler. J'espère avoir de bonnes petites notes, ce serait pas mal. Et non, comme d'habitude, hein, de bonnes notes assez sympathiques. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit dé. Du coup, on avance tranquillement vers le match face au LOSC. Et après, oh là, bah, de toute manière, on va pas jouer face à Guingamp puisque je pense qu'on va avoir que 2 jours de repos et le coach fera tourner. Donc on est parti pour ce match face au LOSC à domicile. Ah, ça serait bien de marquer hein, quand même. On va les faire jouer en rouge, nous on joue en blanc. C'est parti, à mon avis c'est les maillots blancs. Moi je dis rien, après je pense qu'avec les maillots blancs on marque au moins un but. Attention les gars, Lille là il commence à être de plus en plus dangereux là, faut faire attention. Il la joue un petit peu comme on rend, hein. On fait tourner. J'intercepte, j'étais bien redescendu. Oh, il y a une faute. Laisse l'avantage. Qu'est-ce que tu comprends pas dans laisse l'avantage? Joue vite toi. Ah, il est à l'interception. C'est fait douiller de A à Z. Même l'avantage il était moisi. Oh là là. Dégage ça. Mais non, mais il fait pas de passe D. Oh là là, mais Flo, mais applique-toi sur tes passes quoi. Allez Mukanjo, là elle est belle. Oh là 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 là, il part mais à l'opposé du but au lieu de continuer droit et tenter une frappe croisée. Je sais pas Mukanjo quoi. Mettez-moi Waris devant quoi. Voilà. Là franchement elle est belle. Là c'est un caviar. Les gars franchement je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il est en face. Il lui tire dessus. Il lui tire dans la tête quoi. Je peux pas faire de meilleur passe que là. C'est des caviars quoi que je donne. Et puis là le centre, le mec il lève même pas sa balle. Je suis dans le paquet. Oui je suis devant. Non, en retrait. J'ai réussi à cadrer, mais j'étais pied gauche, c'était pas facile. J'ai hésité à contrôler. Hein. J'ai vraiment hésité à contrôler. Putain, mais lâche-moi, toi! Mais. Putain, mais. Putain, c'est qui? Allez, tu traces la vitesse. Oh, bien joué. Tu m'as vu là, je suis là. Mais ouais, mais je mets trop de temps à me retourner. Voilà, et puis on va se faire contrer par les Lillois avec Botteac. Attention, mets le pied tout de suite. Allez, belle récupération. Devant. Allez, on y va les gars. Là-haut, regarde le jeu où il est. Les gars, franchement, on joue bien, ça joue pas trop mal. Mais on n'est pas assez précis dans la dernière passe, dans le dernier geste à chaque fois, c'est pareil. Allez, premier poteau. Remets, là-haut. Ah, il m'a pas vu. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Panique pas.
Allez, allez, oui, oui, bien joué mon Kanjo. Mais oui frérot, le petit but de renard, 68ème minute de jeu. J'étais là au deuxième poteau, j'ai essayé de mettre une vieille tête dégueulasse. Mais derrière ça profite à Mukanjo et il arrive à marquer son petit but de la tête. Donc je suis content, même si c'est pas moi qui marque, c'est pas grave. C'est l'équipe et ça fait plaisir, du coup on a peut-être les 3 points. 69ème minute de jeu, but de Mukanjo. Oh là là, le pressing, ils sont combien sur lui? Allez, allez, voilà, relance, c'est bien, faut repartir propre. Bien joué. Oh non, le contrôle orienté, c'était quoi ça? Oh, bien joué. Tu m'as vu? Oh, la passe dans le dos, dégueulasse. Je t'ai vu, frérot. Ah ouais, mais avec l'effet pied gauche, c'était trop compliqué. Désolé, désolé. Puis en plus, avec mon pied gauche, c'est pas mon meilleur pied, quoi. La victoire. Victoire 1-0 face aux Lillois. Match terminé, 10, ça fait plaisir. Conduite de balle plus 1, etc. Donc ça, c'est cool. On finit avec une note de 7,9. Donc on a failli avoir un petit 8. On peut regarder, on finit homme du match, du coup. Donc c'est cool, même si Benjamin Mukanjo finit avec 7,6. Donc c'est cool, on est homme du match. On continue notre petite montée, remontée au classement, on va dire ça comme ça. Je pense que le match face à Guingamp, du coup, on va pas le jouer. Le coach va pas nous faire jouer, mais en tout cas, passe courte plus 1, ça arrête pas d'augmenter, ça fait plaisir. Agilité plus 1, je prends tous les petits exploits. Bon, c'est terminé. Tous les petits exploits, je veux bien les prendre. Du coup, on passe à 74 de général. Deux jours après, je pense qu'il va faire tourner. Ah non, il me fait jouer, je t'ai retenu dans l'équipe, ok. Moi, je joue, c'est pas grave. Du coup, match face à Guingamp, on va jouer avec nos maillots blancs. Pour l'instant, ça nous porte chance, les maillots blancs, puisqu'on a réussi à gagner notre premier match de la vidéo. Avec ces maillots-là, je suis un petit peu fatigué. Mais bon, on va essayer de faire au maximum et de remporter ce match. Mukanjo, est-ce que tu sais tirer les coups francs? Non, visiblement, tu ne sais pas tirer les coups francs. J'ai rien dit, ça va. Je me suis excusé, Mukanjo, ça va. Par contre, les poteaux, ça va 5 minutes. J'ai dit les poteaux, ça va 5 minutes. Allez les gars, on est 9ème. Et le LOSC qui est quand même 2ème. On a battu le LOSC qui est 2ème. Donc franchement, il y a moyen de faire une petite remontée au classement là. On est 9ème. C'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais comment tu... Mauvais appel, mais tu te fous de moi ou quoi? D'où il y a un mauvais appel? Lâche ça toi. D'où il y a un mauvais appel là? Tiens, je te la remets. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oh là là, moi je préfère jouer là-bas. Ouais, là, pas... C'est pas moi. Hein. Non. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. En plus, ils mettent un ralenti. La vie d'homme qu'on regarde pas ça. C'était trop dégueulasse. Je vais derrière s'il faut. Voilà. Oh, ça c'est bien joué, Flo. Oh là là. Il a pas réussi à tirer, mais t'es lent, mais tu tires une charrette ou quoi, mon gars? Il y a le Renoir là, celui-là là. Il commence à me saouler là. Voilà, dégage. On s'approche de la zone de vérité. Oh là, je suis complètement déséquilibré. Il y a pas faute. Oui, non, non. Il y a jamais faute là-dessus. J'ai pas touché. Non, je suis pas d'accord. Elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Voilà, je mets le pied là. Les gars, vous regardez trop jouer. Oh là là. Donne-moi ça. Toi, monte là. T'as un trou, voilà. Remets s'il faut. Mais remonte aussi. Propose-moi une solution, non? Oh là là, les gars. Je t'ai vu là-haut. Non, Flo. Là, par contre, la passe, elle est dégueulasse. Ouais, j'étais dessus. Remets. Allez, on remonte. Allez, les gars. Toi, monte en bas, là. Alors, faut que je fasse une passe en... Mais non! Je voulais faire une passe en profondeur, un mec qui était juste à côté de moi. Lâche ça, toi. Oh là là. Même moi, je me mets à faire des vieilles passes. Allez, Mukanjo. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Frappe croisée. Dommage. Encore une petite passe clé pour Mukanjo. Après, c'est pas une passe D non plus, hein, celle-là. C'était pas facile à mettre, mais voilà, c'est une bonne passe. Une passe correcte, quoi. Ouh, non, la parade du gardien. Il était là chercher, franchement, mais moi ça m'a surpris. J'étais plein axe, j'ai été un petit peu bousculé, mais j'ai quand même réussi à mettre un petit pointu. Mais c'est sauvé par le gardien. Je suis passé, non, oui, vas-y, frappe, garçon.
Oh là 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 là. Ils sont pas bien du tout dans cette fin de match là, Guingamp. Il y a moyen. Franchement, il y a moyen. 0-0, triste 0-0. Encore une fois, les escrocs. J'ai fait 3 passes clés. Je pense avoir fait un bon match. Encore une fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis désolé parce qu'au niveau du gameplay, en fait, ce qui me fait chier, c'est que voilà, il n'y a pas de but. Donc, du coup, vous voyez pas de but. Et pourtant, j'essaye. Je tente. Après, pour ma défense, j'ai quand même un perso qui n'est pas vraiment évolué. On n'a pas pris le bonus d'attribut plus 3. On a que 74 de général. On peut pas faire des miracles non plus, sachant qu'on joue en légende. Donc voilà, je m'excuse pour ce gameplay, entre guillemets, où j'ai pas réussi à vous procurer beaucoup de gameplay dans le sens où il n'y a pas de but. Parce qu'on a fait quand même 2 ou 3 0-0. On a fait 1 ici. Là, on a réussi à gagner 1-0. Là, il y a 0-0 ici. Et face à Marseille, on a perdu 1-0. Donc ouais, on a marqué qu'un but. 4 matchs, un but. J'ai envie de vous dire, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien, mais au niveau du classement, c'est correct. On est 8e. L'Olympique de Marseille qui a chuté à la 12e position, mais ils ont un match de retard, donc ils peuvent remonter. Le Paris Saint-Germain qui est plutôt bien, puisqu'il est 4e avec un match en retard. Mais l'Olympique Lyonnais est encore mieux, puisque... Oh bah non, il y a Montpellier, c'est vrai, j'avais pas vu, mais Montpellier, je pensais qu'ils avaient 6 matchs, mais non, Montpellier, ils font un début de saison canon. C'est la seule équipe invaincue pour l'instant, il me semble en tout cas. Ouais, c'est la seule équipe invaincue en Ligue 1. Donc Montpellier, ils font un début de saison canon. Au niveau de notre joueur, alors... Franchement, au niveau du joueur et des matchs, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'on fait de bons matchs. Je vais regarder vite fait un truc. C'est juste le rang. Au niveau du rang de l'équipe, voilà. On est le joueur qui est le plus en forme dans l'équipe. On a de bonnes notes. On a une note moyenne de 7,6, donc je pense que c'est assez correct. Ah, quoi que c'est peut-être la note moyenne de mon ancien match, attendez. On va regarder tout de suite, ça va être plus simple. Le rapport d'équipe. Rapport d'équipe. Pour aller voir ça. Hop. On a 7,90 de note moyenne. Donc en comptabilisant tous les matchs, donc même les matchs de préparation. Je pense que c'est correct. En Ligue 1, on a... Ah, j'avais oublié, on a fait une passe D. Ok. J'avais complètement zappé qu'on avait fait une passe D. Mais en tout cas, on n'a toujours pas marqué le moindre but en Ligue 1. J'espère qu'on va réussir à débloquer ce compteur. Et j'espère qu'on va réussir aussi à procurer un petit peu plus de jeu. Même si dans le jeu, c'est correct. Il nous manque juste la finition, en fait. Il nous manque la dernière passe, le dernier but. Et je trouve ça dommage, mais bon. On va essayer de se rattraper dans les prochaines vidéos. Du coup, Benjamin Lecomte, il augmente pas. Morera, plus 1, ok. Ok, Lotoa, Cafou qui a pris un petit plus, hein. Ok, Philippe Otto, Belougou, Flonox, j'ai pris un plus 7, on augmente pas mal, donc ça c'est cool, parce que franchement, même si on fait des matchs, bon, non, on fait pas de mauvais matchs, même si l'équipe ne gagne pas plutôt, on débloque énormément d'exploits, et du coup ça nous permet de bien augmenter, puisqu'on est déjà 74 de général en 11 matchs, on a pris un plus 7, donc c'est cool. Barthélemy, ok, Moukandjo, 10 matchs, 3 buts. Ça reste correct. Ça reste correct. Je ne peux pas lui demander de marquer à chaque match. Ça reste correct pour Moukandjo, même si j'ai l'impression qu'il vendange pas mal parce que je fais quand même pas mal de passes. Et du coup, j'aimerais bien voir Waris rentrer de temps en temps en match à sa place. Mais bon, on verra bien. 5 matchs, 1 but et une passe D pour lui. Jeannot, ok, Meslou, Siani qui est rentré. Il a quand même joué pas mal de matchs, hein, le petit Siani. 5 matchs, Touré, 6 matchs, Marvo, ok, Ortiz. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Il y a un joueur, attendez, il est où? Faut que je le retrouve. On a acheté un joueur, je vous l'ai dit en pleine vidéo, il est où celui-là? Il est peut-être là. Récemment arrivé pour 3 millions. Alors, il y a Ortiz, mais il y en a encore un autre. Il y en a encore un autre, je ne sais pas où il est. Attendez, il est là, c'est celui-là. C'est Ortigoza, il est arrivé pour 3 500 000. 31 ans, 75 de général. On le jugera sur le terrain. On le jugera sur le terrain, donc voilà. C'est la fin de cet épisode Carrière Pro, les escrocs. J'espère que vous l'aurez apprécié. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de notre Carrière Pro. On fera... Je vais me rattraper. La semaine prochaine. Parce que là, sincèrement, j'ai l'impression... Oh, j'ai plus de batterie dans la manette non plus, ok. J'ai l'impression que voilà, il n'y avait pas assez de gameplay à mon goût. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, on fera 5 matchs pour se rattraper, les escrocs. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, les escrocs. Prenez soin de vous. C'était Flo Nox aux manettes.